Bienvenue officiellement en ce mercredi à Brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos. Merci d'être là. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Weekend Radio à Montréal et Québec et très heureux, très fier vraiment d'être l'animateur des webinaires Jeunes Explos. Donc Jeunes Explos, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu moins, c'est une plateforme, c'est un organisme à but non lucratif. Donc on aide les jeunes à s'orienter dans leur choix de carrière, on leur fait découvrir des métiers qu'on connaît peut-être moins ou qu'on pense connaître, puis finalement, bien, on apprend tellement de choses. Je pense que c'est le cas aussi cette semaine. Et cette semaine, c'est le thème des services municipaux, donc avec notre partenaire qui est la Ville de Québec. Donc, merci, M. Marchand, de rendre tout ça disponible. Et merci à nos experts aussi. On en a trois qui sont là avec nous. Karine Perron, qui est technicienne du bâtiment et en salubrité. Merci d'être là. Karine, merci beaucoup pour ton temps. Denis Thériault, qui est responsable de la sécurité numérique et qui est conseiller en système d'informatique. Merci, Denis, d'être avec nous. Et la dernière, mais non la moindre, Cynthia Legault, conseillère en environnement. Gros, gros merci d'être là. Je me demandais peut-être, en commençant par Cynthia, pourquoi c'était important pour toi de participer au webinaire à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos? Je travaille justement en environnement, mais je pense que c'est un sujet qui est assez d'actualité, là, ces temps-ci. Puis c'est sûr que ça ne fait pas très longtemps non plus que je suis travailleur là, à temps plein. Donc, j'ai quand même terminé mes études, ça fait à peu près 4 ans. Donc, c'est sûr que ça ne fait pas si longtemps non plus que j'étais assis à votre place puis que je cherchais un peu qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Donc, ça me fait plaisir d'en discuter davantage. Mais ça me fait plaisir aussi que tu sois là, Cynthia. Merci. Karine, peut-être pour toi, pourquoi participer au webinaire d'aujourd'hui avec Jeunes Explos? Je n'avais jamais entendu parler de ce métier-là, là, qui est l'analyste, là, analyste de bâtiment. Je me suis dit, ben, juste d'en parler, des fois, ça fait réfléchir, puis ça fait cogiter à savoir qu'au moins ça existe. Denis, dernier mais non le moindre, pourquoi toi, c'était important de participer au webinaire d'aujourd'hui? C'est vraiment de transmettre ma passion de la cybersécurité, de la sécurité. Il n'y a pas une journée qu'on n'entend pas parler des attaques. Puis l'idée ici, c'est de promouvoir vraiment la jeunesse pour dire, regarde, c'est une bataille de tous les instants en cyberattaque. Donc, tous les services publics, 911, police, traitement des eaux, on est habitué d'avoir ces servitudes-là. Bien, ça prend du monde en informatique, en sécurité, en cybersécurité pour protéger tous ces services-là. Fait que c'est un peu aujourd'hui, là, je pense que c'était une belle vitrine pour au moins vous conscientiser à ce métier-là qui est de plus en plus important dans le monde actuel. Oui, mais c'est vraiment vital et c'est vrai qu'on en entend parler depuis plusieurs semaines dans plusieurs domaines. Il y en a beaucoup, alors c'est un sujet très important. Merci d'être là, Denis. Moi, je veux savoir un peu, parce que les dictionnaires ont toujours une définition théorique là, des métiers, c'est quoi? Puis des fois, on ne comprend même pas vraiment. Moi, j'aimerais savoir, peut-être, Cynthia, si tu veux commencer, mais toi, tu travailles en environnement aussi, ton métier dans tes mots à toi, tu le décrirais comment pour les jeunes qui nous écoutent en ce moment? Moi, je suis conseillère en environnement, donc ça veut dire qu'en je travaille sur vraiment plusieurs projets liés à la transition écologique, au changement climatique, tout ce qui concerne l'amélioration de la protection en fait, de l'environnement, qui inclut aussi l'amélioration de la qualité de vie des citoyens également. Donc, c'est sûr que il y a plusieurs types de conseillers en environnement au sein de la ville qui travaillent sur plusieurs types de projets différents, certains dans des domaines plus précis. On peut penser par exemple à la gestion de l'eau potable, la protection de la biodiversité. On peut penser aussi à tout ce qui est aménagement des rues pour faire plus de verdissement, etc. Donc, moi, pour ma part, là, je travaille effectivement sur plusieurs domaines, notamment en changement climatique. Donc, ça fait partie là, des éléments sur lesquels je travaille. Je pourrais en parler là, davantage tout à l'heure de justement tous ces projets-là, là, mais en gros, une conseillère en environnement, c'est ce que ça fait, c'est que ça va mettre en place plusieurs projets en lien avec l'environnement. C'est un peu ça là, en général. Et un peu comme ce que disait Denis sur la cybersécurité, l'environnement aussi, c'est de plus en plus, ça a toujours été important, mais on en parle de plus en plus parce que la situation est quand même assez alarmante. Alors, c'est un emploi aussi qui est vital, notamment à la Ville de Québec. Karine, toi, tu es technicienne du bâtiment et en salubrité notamment. Dans tes mots, ça consiste en quoi ton emploi? C'est de l'urbanisme, en fait. L'urbanisme, c'est une science qui est de l'aménagement là, des espaces urbains. On va travailler beaucoup avec tous les domaines, là, que ce soit des architectes ou l'environnement aussi, là, au niveau, avec, mettons, Cynthia. Puis c'est de préserver finalement un cadre bâti, puis que ce soit pas nécessairement beau, mais que ce soit efficace.
Puis, ben, il faut que ce soit beau aussi, là, évidemment. c'est le cadre bâti, c'est quelque chose qu'il faut qui fit dans un décor. Fait que nous, on est les gardiens un peu de ça, là, puis de l'implantation, finalement, de le projet. Alors, les gens vont déposer le projet, puis nous, on va dire oui ou non, si ça fonctionne ou pas. Et on va les amener à ce que leur projet fonctionne. Dans la mesure du possible, évidemment, mais avec tous les pans de ce qui est l'urbanisme, comme l'environnement, le cadre bâti. On est quand même avec ce que Cynthia fait aussi, parce que vous êtes à la Ville de Québec, vous avez des emplois différents, mais on voit que c'est connexe aussi, le travailler quand même tous et toutes pour la ville. Il y a un but commun, de faire rayonner la ville. Denis, toi qui travailles comme responsable en sécurité numérique, là, on a parlé de la cybersécurité, mais dans tes mots, c'est quoi ton domaine, c'est quoi ta job, comme on dit? C'est de justement préserver tous ces services-là, qui a vraiment un niveau de service adéquat. Puis dans son côté, bien, quand on dit responsable de la sécurité d'information numérique, ça veut dire tout ce qui est numérique à la ville, donc on comprend qu'aujourd'hui, demain matin, on n'a plus d'informatique, ça ne va pas bien à la ville, que ce soit au traitement des eaux, à l'environnement ou autre. On a besoin aujourd'hui d'informatique partout. Donc, on doit assurer que ce service-là est vraiment open running, qui est vraiment en très bonne santé. Donc, c'est ma responsabilité avec beaucoup de gens, autant au niveau stratégique, tactique, opérationnel. On doit assurer là, à l'ensemble de la ville là, cette sécurité-là. Autant maintenant avec la cybersécurité, on a un centre de cyberdéfense maintenant là, qui nous protège aussi contre les cyberattaques. Donc, c'est de ma responsabilité avant tout, c'est d'assurer que toutes ces équipes-là se coordonnent ensemble pour assurer la sécurité. C'est un domaine, comme on a dit, qui est de plus en plus important et il y a plein de choses à protéger aussi. C'est, comme tu as dit, c'est un métier qui implique beaucoup de responsabilités. Toi, Denis, je dirais journée typique, mais semaine typique peut-être plus parce qu'on s'entend que les journées changent, ça suit, puis ça ressemble pas tout le temps. Mais une semaine typique dans ton emploi, Denis, ça ressemble à quoi, tu dirais? Il n'y a pas une semaine qui est identique, on se comprend. Étant donné qu'on est responsable de plusieurs entités à la Ville de Québec, le terme souvent qu'on utilise à l'international, c'est CISO, là, Chief Information Security Officer. C'est le titre international. Bien, on est un regroupement international là, de CISO qu'on appelle, qui régulièrement, on a des tribunes ensemble, que ce soit au fédéral, centre de cyberdéfense fédéral, provincial. Donc, on est à l'affût 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les vulnérabilités, sur ce qui se passe au niveau international. Exemple, si Trudeau décide de lever un drapeau en Ukraine, bien, ça peut avoir des incidents directs parce qu'on s'aperçoit effectivement que dans la nuit, on reçoit plus d'attaques de la Russie ou des choses du genre. Donc, vous comprenez, c'est politico-administratif. On doit suivre cette stratégie-là en termes de cyberdéfense, ça en continu. Ça, c'est une trame de fond. Maintenant, dans le day-to-day, j'ai des actions autant stratégiques, tactiques qu'opérationnelles. Au niveau stratégique, je suis tout le temps en train de renforcer ce qui est dit au niveau des politiques de sécurité de l'information, donc auprès des fournisseurs et autres. Donc, j'ai souvent à leur amener par des avis de sécurité les choses à faire, les normes à respecter pour s'assurer justement de ne pas créer de vecteurs d'attaque, des choses du genre. Au niveau tactique, bien, j'ai des projets en sécurité pour permettre de rehausser dans le fond, la sécurité à la Ville de Québec. Donc, j'ai plusieurs projets en intelligence artificielle, IoT, tous les objets connectés. Maintenant, il y a les drones, hein, vous comprendrez, les inspecteurs en bâtiment se promènent avec des drones. Donc, il faut les sécuriser. Donc, c'est très diversifié à ce niveau-là. Puis finalement, au niveau opérationnel, bien, on a un centre de cyberdéfense et on a assuré autant au niveau de l'info nuagique qu'au niveau sur site, c'est-à-dire sur nos serveurs même, du côté de la police, pompiers, tout ça, s'assurer de la sécurité de ces infrastructures-là. Avec la technologie qui avance, qui évolue tellement rapidement, moi, j'imagine que ton métier aussi, Denis, doit suivre, ça n'a pas le choix. Donc, c'est un métier qui est tout le temps, il n'y a pas de routine. Ça prend tout le temps. Comme tu dis, il n'y a pas une semaine qui suit l'autre, finalement. J'imagine, Cynthia, que c'est un peu la même chose pour toi. Une journée typique ou peut-être une semaine typique, comme j'ai demandé à Denis, dans ton cas, tu dirais que ça ressemble à quoi, grosso modo? Il y a beaucoup de travail à l'ordinateur. Là. C'est sûr que la majorité de la semaine là, se passe quand même devant l'écran, il faut le savoir. Là. Ça fait partie du métier. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup aussi de rencontres avec les collègues. Là. Justement pour faire avancer des projets. Donc, soit on va justement faire des rencontres pour voir où on en est où dans l'avancée d'un projet. On va avoir des fois des rencontres aussi d'idéation pour mettre en œuvre
créer, brainstormer, comme on dit, pour créer des nouveaux projets qui vont répondre à certains besoins, par exemple, plus précis. Maintenant, depuis la pandémie, on fait beaucoup de rencontres en virtuel. C'est quand même super intéressant, mais on a remis aussi là, les rencontres en présentiel. Fait que ça, c'est bien. On se rencontre en équipe, tout ça. On va faire des ateliers de réflexion, etc. Donc, ça fait quand même beaucoup partie de mon quotidien. Je vais aussi faire beaucoup de suivi, le courriel, des liens, des appels de toutes sortes pour vraiment suivre les projets, les faire avancer, etc. Sinon, je dirais qu'il y a beaucoup de temps aussi de travail individuel, là, évidemment. Là, donc, justement, là, il y a beaucoup d'un aspect administratif aussi dans mon travail, là, parce que, en fait, souvent, les projets qu'on va réaliser, en fait, on ne va pas nécessairement les réaliser nous-mêmes à l'interne. On va donner des mandats à des organismes, à des entreprises, etc. Donc, on va, par exemple, engager un groupe de chercheurs pour réaliser une étude sur, par exemple, quel type de végétaux on devrait mettre à tel endroit pour qu'ils résistent au piétinement ou au fait que, bon, il y ait toutes sortes d'éléments. Donc, il y a vraiment ces liens-là à faire, en fait, entre les professionnels ici à l'interne puis les professionnels à l'externe. Donc, tout cet aspect-là là, qui fait partie de mon quotidien. Donc, ça donne un peu une petite idée. Quand même, mais comme Denis, c'est des semaines qui ne se ressemblent pas. Là. Il y a tellement de variétés de tâches à faire, de responsabilités. Exactement. Puis dans le but de faire rayonner ultimement la Ville de Québec aussi. Karine, je pense que le but ultime est assez similaire aussi. Mais toi, une semaine typique dans ton emploi, tu décrirais ça comment? Bien, en fait, c'est moi aussi, là, c'est un travail qui se passe beaucoup à l'ordinateur, mais c'est chaque projet. Chaque projet est unique. Alors, tu sais, une semaine peut être pareil du lundi au vendredi, puis la semaine d'ensuite, j'ai 5 projets différents, dépendamment de la grandeur des projets. Nous, on est pas mal la pierre angulaire, finalement, du citoyen avec les professionnels de la ville. Fait que les citoyens nous présentent, ou les entrepreneurs, peu importe, nous présentent le projet. Puis par la suite, nous, on fait des liens. On va aller chercher toutes ces tentaculaires. On va aller savoir s'il faut que ça passe soit, mettons, en PIA, les plans d'implantation architecturaux, si ça, il faut que ce soit des architectes qui étudient dans certains secteurs pour que, par exemple, la rue Saint-Jean à Québec, bon, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Fait que c'est vraiment à tous les jours, ça peut être différent, mais en bout de course, c'est d'améliorer le cadre bâti là, de Québec, là, de la ville de Québec. Là. Donc, encore une fois, bien de responsabilités aussi dans ton emploi. Là, la question s'adresse vraiment à vous trois, donc à qui veut répondre en premier, il n'y a pas de souci. Je me demande, parce que moi, Cindy a mentionné le télétravail, les courriels, tout ça, moi, je me doute que les trois, vous utilisez comme, à l'instar de tout le monde, un ordinateur, je pense qu'on n'a plus le choix, mais dans le cadre de vos emplois respectifs, vous servez généralement de quels outils, ça peut aller du papier, crayon, ordinateur à quelque chose qu'on ignore totalement, un logiciel, un système informatique. Je ne sais pas qui veut commencer, mais quels outils vous servez régulièrement dans le cadre de votre emploi? Je peux peut-être commencer, si vous permettez. C'est mon outil de travail, c'est le portable. Donc, le portable, il se déplace. Hein. Il est portable, puis effectivement, j'ai un mobile. Donc, à partir de là, j'ai accès à plusieurs consoles très spécialisées pour suivre en temps réel le déplacement, par exemple, si le maire s'en va en Europe, si les dignitaires s'en vont en voyage, quoi que ce soit. On veut vraiment éviter la fuite de données, des accès illicites à nos systèmes critiques de la ville. Donc, on a une vue map-monde complète de savoir où sont les gens. Donc, il y a des consoles spécialisées pour ça et on suit les flux de données et on protège la donnée de la ville. Donc, c'est notre quotidien, ça, avec différentes consoles hyper spécialisées. Il y a des consoles aussi pour faire des investigations policières en enquête, où là, on va aller chercher vraiment, on va forcer à aller chercher des informations avec un droit d'enquête de la police, où là, on va investiguer à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs types d'investigations qui peuvent se faire, soit au niveau des ressources humaines ou autres, où on a investigué des cas bien précis. Donc, c'est très chirurgical. On a besoin d'aller chercher des journaux, des courriels, des contacts, des choses du genre. Fait qu'on est un peu le petit Colombo, si on peut dire, là, de la ville là, en termes d'investigation.
Oui, puis travaillant en cybersécurité, en sécurité web numérique, pas le choix d'être un peu à la fine pointe de la technologie parce que c'est ceux qui font des attaques web sont plus loin niveau technologique, niveau outils, ça va mal un peu. Donc, c'est sûr qu'il y en a plein aussi qui sont très performants pour vous, pour toi, Denis. Cynthia, Karine, vous, les outils dont vous vous servez régulièrement, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Je vais laisser répondre Cynthia, puis je répondrai à la suite. Donc, moi, de mon côté, en fait, c'est tout ce que j'utilise, le standard, la suite Office, etc. Là. Mais ce que j'aurais peut-être justement comme conseil, là, c'est vraiment de bien utiliser Microsoft Excel. Moi, ça a vraiment comme tout changé mon travail là, depuis qu'au début, quand je suis arrivée, ça me faisait peur un peu Excel. Je trouvais que ça avait l'air compliqué, tout ça. Finalement, je me suis vraiment appropriée là, cet outil-là, puis ça m'aide énormément. Je travaille avec ça presque à tous les jours. Donc, si jamais ça s'offre à vous, là, les jeunes, dans votre parcours, là, d'avoir des formations pour utiliser Excel, là, pour moi, en tout cas, c'est extrêmement pertinent. Puis, avoir su, je l'aurais fait plus tôt. Là. Donc, un outil très, très intéressant. Mais Excel, c'est le logiciel, justement, de la suite Microsoft où il y a les tableaux, tout ça. On fait des graphiques, c'est un petit peu ça. Parce que moi, je me rappelle qu'au secondaire, on avait quelques cours là-dessus, pas beaucoup. Mais toi, tu recommandes aussi aux jeunes d'apprendre déjà cet outil-là pour le marché du travail? Oui. Tout à fait. Et toi, Karine, est-ce que tu te sers aussi d'Excel? Est-ce que c'est plus d'autres logiciels dont tu sers dans ton emploi? Tu te sers de quels outils? Moi, je me sers... moi, je suis une vieille, la vieille, là. Fait que c'est sûr que quand je suis arrivée à la ville de Québec, là, il y a quelques années, je trouvais tellement qu'il était up-to-date, là. C'était... moi, je partais des plans avec même une matrice graphique papier, là. Fait que, tu sais, les recherches... Puis quand je suis arrivée à la ville de Québec, ben écoute, Adobe Pro... C'est notre outil à tous les jours. Pas d'Adobe, pas de travail. Et c'est quoi exactement Adobe, Adobe? C'est quoi? Adobe, c'est un... est-ce que vous... Mettons que vous imaginez des plans de maison, des plans d'industrie. Tu sais, vous les voyez sur papier, mais maintenant, c'est tout par... les plans sont tous faits par AutoCAD. Puis Adobe, c'est un logiciel qui nous permet de travailler. Sur les plans PDF. C'est-à-dire que moi, toutes mes mesures, tous les escaliers, par exemple, qu'il faut que je mesure le nez de la marche, tout ça, c'est tout fait à l'aide du logiciel Adobe. On se sert de ça régulièrement. Donc, quand même, les outils qui reviennent un peu, c'est sûr, portable, papier, crayon, on n'y échappe pas personne, mais chacune, vous avez comme des outils. Oui. Donc, plus Excel, Adobe. Oui, puis on a un logiciel, on a un logiciel aussi à la ville de Québec qui s'appelle PDI. Qui est unique là, à la Ville de Québec, qui est pour tout ce qui est permis de construction. Alors, c'est tout un suivi. Finalement, avant, c'était les permis étaient papier. Maintenant, c'est tout informatisé. Fait qu'on a un suivi là, avec... fait que l'environnement utilise ça. Tous les services de la Ville vont utiliser ce logiciel. Oui, c'est un logiciel. Puis avec ça, ça donne une constance puis une très bonne historique de dossier. Oui. Mais justement, parlant d'historique de dossier, il y a plein de choses que vous faites dans votre emploi. On pense connaître ça un peu les métiers de la ville, mais en même temps, on le voit moins aussi. C'est vrai qu'on, tu sais, au primaire, secondaire, on apprend sur pompiers, policiers, avocats, les métiers classiques, entre guillemets. Puis à la ville, on ne sait pas trop ce que vous faites, on s'en doute, mais des fois, on fait « Oh mon Dieu, on est complètement ailleurs ». Moi, j'aimerais savoir, peut-être en commençant par Karine, tiens, niveau études, niveau formation, ça ressemble à quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené vers ton emploi à la Ville de Québec? Je suis allée étudier en droit. Par la suite, j'ai fait une technique en aménagement et en écologie. J'ai fait en biologie un bac. Ça l'a vraiment pas été. J'ai travaillé pendant 10-12 ans là, à l'extérieur. Je partais, là, je travaillais pour la CEPAC. C'est quand j'ai eu des enfants là, que j'ai décidé de plus partir. Je partais 8 mois par année quand même. Fait que c'est quand j'ai eu les enfants que j'avais vu un poste à la MRC de Portneuf dans les journaux qui disait qu'ils cherchaient quelqu'un spécialisé en environnement, mais urbanisme environnement. Puis j'ai dit, je vais appliquer. Ils ne me prendront pas, mais je vais appliquer pareil. Puis finalement, étant donné que j'étais de la région de Portneuf, puis peut-être qu'il n'y avait pas personne d'autre, ils m'ont pris. Puis finalement, tout ce que j'ai appris en urbanisme, c'est eux qui me l'ont montré.
J'ai été là pendant 5 ans. Après ça, j'ai travaillé 10 ans pour la ville de Saint-Augustin avant de m'en venir pour la ville de Québec. Fait que ça a été appris, excusez l'expression, un peu sur le tas, mais avec beaucoup, beaucoup de formation à la Combec. On fait partie d'un réseau là, qui est la Combec, la Corporation des officiers municipaux. Fait que, eux, ils offrent les formations très, très pointues. Vous voyez, tu sais, comme étant donné que moi, j'étais plus en milieu agricole, ben, j'ai développé ces compétences-là. À la Ville de Québec, très peu de personnes ont ce bagage-là, étant donné que ben, tu sais, c'est très urbain. Fait que tout ce qui est au niveau de la loi sur la qualité de l'environnement, tout, ben, je dis que ça ne m'a pas servi, tout ce qui est environnement, ça m'a extrêmement servi parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui est spécialisée là-dedans, dans les cours d'eau, tout ce qui est réglementation par rapport à ça. Fait que, mais tous les chemins mènent à Rome, finalement. Absolument. Vraiment, c'est ça qui est beau aussi, parce que c'est très rare quelqu'un qui a son premier choix de carrière du premier coup sans avoir essayé autre chose. Donc, il y a toujours moyen de revenir. Puis, je dis Rome, mais j'aurais dû dire Québec, finalement. Oui, c'est beau aussi de faire, tu sais, de vaguer dans tout ça, puis de savoir aussi qu'est-ce qu'on aime le plus, là, tu sais, d'avoir, d'avoir les horizons très élargis. Fait que c'est ça, c'est un beau parcours. Il faut savoir ce qui nous plaît moins finalement pour savoir ce qui nous plaît un peu plus. J'ai une question ici qui vient de Benjamin et Yuri, des jeunes secondaires, qui s'adresse, j'imagine, un peu plus à Denis parce qu'on parle de cybersécurité. Alors, oui. Denis, je te dis, Aziz, leur question, parce que les deux disent s'intéresser vraiment à tout ce qui est numérique, informatique. Ils demandent quel système d'exploitation est utilisé au quotidien, par exemple Linux, Windows, Mac, etc., et quel logiciel? Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est tous ces logiciels-là, étant donné qu'on est en sécurité, c'est transversal. Donc, nous autres, on a à vérifier la sécurité de tout système d'exploitation, que ce soit Unix, Windows et autres, autant au niveau des serveurs, au niveau des routeurs, au niveau des cellulaires, donc que ce soit du iPhone, Android ou autre, toutes ces plateformes-là. On a à valider, à vérifier le code, vérifier qu'il n'y a pas de facteur d'attaque ou autre. Donc, on doit être, sans être spécialiste de ces systèmes d'exploitation-là et de ces plateformes-là, connaître la façon de les auditer, de les surveiller. C'est le rôle principal qu'on a. En termes d'outils, je dirais, bien, nous autres, on est là, comme je vous dis, pour valider les gens qui codent. OK, que ce soit du .NET ou autre, nommez-les des frameworks, Vaadin ou autre, tout type de langage. Ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on a un référentiel de conformité en sécurité, puis on vérifie s'ils respectent ces conformités-là dans leur programmation. Donc, c'est autant au niveau logiciel, au niveau infrastructure des serveurs, au niveau télécom, les protocoles, les ports ouverts, fermés. Donc, on a à gérer, puis on a des outils de conformité qui nous permettent de nous aider pour vérifier si les gens programment, codent bien. Comme moi, je peux faire du PowerShell. À mon titre, c'est sûr que je ne code plus. J'ai codé beaucoup. J'ai commencé technicien, analyste, architecte, architecte intégrateur, DBA. J'ai fait plusieurs métiers, mais toujours en informatique. Puis de là est venue la spécialisation en sécurité par après, qui est plus transversale puis qui demande de connaître beaucoup de choses et d'avoir touché à beaucoup de choses. Je pense que ça ne peut pas nuire, corrige-moi si je me trompe, Denis, mais plus on connaît de logiciels, plus on connaît tout ce qui est numérique, informatique, même si on s'en sert peut-être moins, je pense que c'est un atout. Puis leur sous-question à Benjamin et Yuri, c'était est-ce que vous faites beaucoup de codage? Donc, si j'en comprends bien, tu en as déjà fait beaucoup, mais à un moment donné, on peut passer à autre chose. Mais j'imagine que ça aussi, ça peut être un atout. Bien, ça peut m'être utile. Je vais faire un PowerShell qui est dans le fond, un langage machine, si on peut dire, qu'on utilise pour lancer des commandes, pour aller vérifier effectivement des configurations ou des choses genre, ou aller chercher de l'information, bien, ça peut arriver. Donc, le fait que je connaisse ça peut être utile, mais je vais plutôt demander à des personnes qui s'occupent, exemple, au niveau des serveurs, bien, fais-moi un script PowerShell, va vérifier telle configuration. J'exécute plus, mais le fait de connaître ça, puis de l'avoir fait, bien, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, effectivement. Cynthia, toi qui as dit tantôt, tu as mentionné que ça ne faisait pas si longtemps que tu occupais ton emploi quand même. Moi, je serais curieux de te demander, toi, qu'est-ce qui t'a mené
Catherine Carbonneau-Bergeron dit « Fais un pouce en l'air ». Donc, Denis, je pense que ta réponse était bien claire, bien concise. Toi, Cynthia, niveau parcours, cheminement, études, qu'est-ce qui t'a mené à ton poste là, en responsable en environnement notamment? Oui, bien, c'est drôle parce que moi aussi, comme Karine, j'ai étudié en droit. Donc, j'ai fait 3 ans là, le bac en droit à l'Université Laval parce que je voulais vraiment travailler en droit de l'environnement. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessairement exactement ça que je voulais faire. J'ai fait quand même une maîtrise axée sur le droit de l'environnement, là, où j'ai justement pu étudier notamment sur le gaspillage alimentaire. Donc, c'était très intéressant. Puis ensuite, ben, j'ai réalisé en fait un stage à la Ville de Québec dans le cadre de cette maîtrise-là. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée en fait au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement où je travaille actuellement. Puis par la suite, j'ai fait un an d'études, un diplôme d'études supérieures spécialisées en éco-conseil à Chicoutimi. Donc ça, c'est vraiment un an d'études où on apprend plusieurs choses sur le développement durable, la communication, les changements climatiques, les gaz à effet de serre, etc. Donc c'est un an très, très chargé, mais on voit beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'ai vraiment pu acquérir énormément de compétences et de connaissances là, pendant cette année-là. Puis ensuite, je suis revenue à la ville faire un stage. Puis depuis, c'est là que j'ai eu là, mon poste de conseillère en environnement. Là. Donc, c'est un parcours aussi qui est assez atypique. Là. De manière générale, les gens qui visent faire un métier similaire au mien vont souvent aller faire un bac en aménagement naturel et aménagé à l'Université Laval. Donc, il y a plusieurs de mes collègues, d'ailleurs, qui ont passé par ce cheminement-là. Donc, quand on sait déjà un peu qu'on va s'en aller vers là, ben tant mieux. C'est là qu'on apprend justement le plus de connaissances en lien avec l'environnement. Mais de mon côté, je ne voulais pas nécessairement retourner par un bac au complet après déjà 5 ans d'études. Donc, c'est comme ça là, que j'ai pu voir ce travail-là. Encore une fois, à l'instar de Karine, tu sais, tous les chemins peuvent mener à la Ville de Québec finalement aussi. Moi, je me demandais également, il y a un petit son dans le studio, qu'est-ce qu'il y a de, selon vous, et là, la question s'adresse à tout le monde, qu'est-ce qu'il y a de valorisant dans le cadre de votre emploi? Tu sais, qu'est-ce qui vous fait dire, au-delà de l'horaire d'avoir un emploi, on travaille pour la Ville de Québec, du travail d'équipe, mais qu'est-ce qui vous fait dire, ah mon Dieu, je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui, puis j'ai hâte de revenir. Oui, Karine a déjà le doigt levé. Vas-y, Karine, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant? Moi, je trouve ça tellement valorisant parce que moi, je suis quand même très proche du citoyen. Puis les citoyens, souvent, tu sais, c'est de les accompagner. Tu deviens comme un accompagnateur là, des gens qui connaissent en grosse majorité rien là-dedans. Là, tu sais, puis ils arrivent, puis c'est souvent, ils sont désemparés. Puis finalement, tu deviens le partenaire de projet. Puis quand c'est construit, parce que c'est un projet de vie, hein, souvent une maison, un chalet, peu importe, c'est des projets de vie. Puis c'est à la suite de ça, quand tu vois qu'ils ont réalisé leur projet, leur rêve, ben ça, je trouve ça tellement valorisant. Puis c'est pour ça, finalement, que j'adore autant mon travail. Bien, ça paraît aussi. Toi, Denis, je te pose la même question dans ton emploi, notamment en cybersécurité, dans le numérique. Qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant, d'enrichissant personnellement? Bien, c'est très varié. Et puis, ça touche, un peu comme le disait, ça touche vraiment des services qui sont de proximité auprès pour les citoyens. Donc, c'est très pragmatique. J'ai travaillé, comme je dis, sur les 3 paliers, au fédéral, au provincial et maintenant au municipal. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans ces paliers-là et au privé. Ce que j'aime au niveau municipal, c'est beaucoup. C'est le gouvernement, le mini-gouvernement qui est le plus proche des services publics. C'est lui qui a le plus de services publics de proximité. Donc, ce qu'on fait, on a l'impression vraiment qu'on voit tout de suite les retombées de ce qu'on fait. Donc, en ce qui me concerne, des fois, on a des incidents, des choses, on a à protéger durant des événements. Le pape est venu faire un tour, des choses du genre. On a eu des activités, on est très en sous-marin, mais on est des petits Avengers, on pourrait dire, de la sécurité. Fait, on essaie vraiment de protéger tout ça, puis que ça se passe bien. Fait que ça me nourrit. Et puis, moi, ben, c'est un peu un leg aussi que je fais là, au niveau municipal, parce que j'ai été CISO responsable de sécurité dans d'autres organisations. J'arrive à la ville et puis ça me rejoint beaucoup. C'est vraiment des services de proximité, 911, police, traitement des eaux et tout ça, incinérateur. On voit maintenant avec les matières résiduelles, tout ça. Il y a beaucoup de beaux projets qui doivent être menés à terme.
Puis pour que ça se mène à terme, ben, il y a un fondement de sécurité, de cybersécurité, qui est drôlement important. Puis c'est ça qui m'anime. Puis on voit les résultats, comme tu as mentionné, de façon presque instantanée. C'est très, très, très rapide. Toi, Cynthia, est-ce que tu te considères aussi comme une Avengers de la ville de Québec? Qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans ta job? Bien, c'est sûr que le premier élément là, que je mentionnerais, c'est vraiment les projets concrets qui sont réalisés, qu'on peut voir de nos yeux sur le territoire. Donc, par exemple, on va réaménager une rue. C'est arrivé l'été dernier, une rue qui est proche de chez moi. Donc, à chaque fois bien, que je passe devant, bien, je vois vraiment que c'est vraiment un projet là, concret qui apporte énormément aux citoyens. Donc, ça, c'est vraiment ce que je préfère le plus dans mon travail. Là, on voit vraiment ce qu'on réalise. Là, on peut le voir de manière concrète. D'ailleurs, je pourrais peut-être mettre une photo dans le chat d'un exemple d'une rue qu'on a réaménagée avec le avant, le après. Donc, ça va donner une bonne idée plus concrète là, du type de projet. Puis l'autre élément que je trouve valorisant aussi, bien, c'est sûr que tout ce qu'on entend à propos de la crise climatique, les changements climatiques, tous les enjeux liés à l'environnement là, qui sont de plus en plus importants. Bien, c'est sûr que, bon, il y a plusieurs, puis peut-être que les jeunes vont se reconnaître, mais... on est plusieurs à faire de l'éco-anxiété qu'on appelle, donc on sent vraiment impuissant par rapport à tout ça. Donc, c'est sûr que le fait de pouvoir travailler en environnement, bien, pour moi, c'est très valorisant, puis ça me permet de faire des actions finalement dans ma vie tous les jours, dans mon travail, pour pouvoir aider aux enjeux liés à l'environnement. Mais les trois, quand même, on voit que vous êtes passionné par votre métier aussi puis votre domaine. Mais comme on a mentionné un peu plus tôt là, dans le webinaire avec Jeunes Explos aujourd'hui, des fois, on ignore un peu ce qu'on fait à la Ville de Québec. Les gens connaissent moins. C'est pas le métier premier qu'on aborde nécessairement au primaire ou au secondaire, pas comme pompier, policier, professeur, avocat, par exemple. Puis la question s'adresse à vous trois, à qui veut répondre en premier. Mais selon vous, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais pourquoi on ignore un peu plus ce genre de métier-là. Puis c'est quoi les mythes, les préjugés là, qu'on a, par exemple? On imagine que vous faites ça dans le cadre de votre emploi à la Ville de Québec. Puis là, vous devez toujours dire ben, c'est pas exactement ça, moi je fais plutôt ci, je fais plutôt ça. T'sais, c'est quoi un peu, pourquoi on connaît moins votre métier, vous pensez? Ben moi, je pense qu'on le connaît très bien, mon métier, de ce côté-là. Sauf qu'on travaille on ne veut pas être trop connu, hein, avec raison. Sur ce qu'on fait en termes d'activité. Vous voyez, j'ai été très généraliste dans ce que j'ai dit. Je ne peux pas vous parler de choses bien concrètes, mais je peux dire que, parce que je n'ai pas eu à répondre au début à la question, mon parcours professionnel, souvent, il y a des métiers qui se forgent et puis tu crées ton métier. Je vous donne l'exemple. On engage des stagiaires à la Ville de Québec en cybersécurité et en sécurité. Et on regarde dans leur stage ce qu'ils font, les habiletés qu'ils ont et c'est quoi les affinités qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Dans ce modèle-là, on est capable de définir un profil d'emploi et par après, souvent, ces gens-là peuvent être engagés au niveau de la Ville de Québec après le stage puis travailler dans quelque chose qu'ils aiment. Puis de plus en plus, on voit ça là, dans les différents secteurs d'activité où on doit s'adapter. Donc, c'est l'adaptabilité entre l'offre et la demande. Et puis, dans un contexte aujourd'hui de pérennité puis de rareté de ressources, ben vous avez votre mot à dire comme étudiant puis dire, regarde, moi, ça m'intéresse. Puis, démontrez-le en stage puis montrez la pertinence de ce que vous voulez faire. Puis, je pense que le métier va s'adapter à ce que vous aimez faire. Puis, ça va être gagnant autant pour l'organisation parce que l'organisation va sortir grandit tout ça, puis va assurer une certaine pérennité parce que vous allez être bien dans votre métier, vous allez aimer votre métier. Donc, pour l'organisation et pour vous, je pense que c'est gagnant. Donc, des fois, c'est un peu le métier qui apprend à te connaître avant que tu apprennes à connaître le métier finalement. Puis tu as parlé, Denis, de capacité d'adaptation. Puis ça m'amène à cette question-ci, peut-être à Cynthia ou à Karine en premier cette fois. Mais c'est quoi les qualités que vous recommandez aux jeunes? Pas nécessairement déjà d'avoir, là, que ce soit un acquis, mais juste de développer ou tenter d'améliorer. C'est quoi les qualités que vous recommandez aux jeunes pour performer dans votre métier, mais au sein de la Ville de Québec, de la municipalité en général aussi? La curiosité, clairement, c'est une qualité, là. C'est de vouloir chercher, tu sais,
C'est beaucoup, comme je disais tout à l'heure, chaque cas est unique. Fait que quand on prend un dossier, ben on va le fouiller, on va le travailler, on va. Fait que c'est d'être curieux, puis c'est d'être très méthodologique aussi, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Puis ces étapes-là doivent être respectées. Oui, c'est ça. C'est très structuré. Puis c'est toutes des étapes-là, c'est beaucoup de processus qui ont été identifiés puis menés par la ville. Fait que c'est moi, dans mon métier, c'est beaucoup ça, là, la rigueur. C'est toutes des belles qualités, finalement, qu'on a à développer dans beaucoup de métiers. Oui. Mais dans le métier que je fais, là, c'est sûr que c'est encore mieux d'avoir ça. Donc, rigueur, curiosité, être quelqu'un de structuré, d'organisé. C'est ça, j'imagine que ces qualités-là résonnent aussi en toi dans le cadre de ton emploi. Mais toi, tu recommandes de développer aux jeunes quelles qualités pour bien performer, notamment là, en responsable en environnement, en conseillère en environnement? C'est sûr que je pense qu'il faut avoir quand même assez d'organisation pour être capable de jongler avec plusieurs projets en même temps. Donc, parfois, je peux avoir 10 projets en même temps qui vont être à des stades différents pour lesquels mon implication va être différente. Et donc, je pense qu'il faut être capable d'avoir justement une vision globale de tout ça puis être à l'aise de se remettre vite dans le bain d'un dossier ou d'un autre. Je pense aussi qu'il faut être capable d'être assez polyvalent parce qu'une journée, par exemple, on peut devoir faire une présentation. Une autre journée, on peut passer la journée à travailler à l'ordinateur, être très concentré, devoir rédiger un texte, devoir lire un document. Une autre journée, on peut être tombé sur un dossier complètement nouveau qu'on ne connaît pas du tout sur un sujet assez pointu, par exemple, sur les gaz à effet de serre. Puis là, ben, faut être capable de comprendre puis de poser les bonnes questions, tout ça. Donc, je pense que c'est ça. Il faut être capable d'être assez polyvalent là, dans plusieurs domaines. Oui, polyvalent, c'est toujours un bon atout. Denis, on a parlé de capacité d'adaptation, mais si tu avais, toi, à recommander aux jeunes de développer d'autres qualités, ce serait lesquelles et pourquoi? Ben, c'est d'être un autodidacte, de vouloir connaître beaucoup de choses dans le domaine des technologies de l'information. Déjà, c'est de s'intéresser à toutes sortes de choses. Déjà, vous allez avoir un bagage important pour aller vers de la sécurité dans différents secteurs. Il y a tellement de métiers en lien avec la sécurité de l'information ou la cybersécurité. La liste est très longue. C'est dans les top 10 hein, des plus recherchés actuellement. Donc, oui, ça, la polyvalence, c'est sûr, c'est important. La créativité, parce qu'on comprendrait que vous êtes dans un milieu où vous devez toujours être créatif, parce qu'on défonce des portes, on utilise beaucoup des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Donc, c'est des milieux où vous devez être créatif pour justement protéger hein, les actifs critiques de votre organisation. Donc, c'est des éléments importants là, à garder en tête. Créativité, structure, rigueur, curiosité, c'est quand même des qualités que vous avez mentionné à plus d'une reprise. Donc, je pense que. Puis, effectivement, je pense qu'au sein de la Ville de Québec, bien, on a besoin de gens comme ça, de gens comme vous. Puis, je vois déjà le temps qui file, il reste quelques minutes. Peut-être en commençant par Karine, encore une fois, si tu es partante, ça serait quoi tes conseils pour les jeunes qui veulent peut-être faire carrément l'emploi que toi tu fais en ce moment ou juste qui sont intéressés par les services municipaux à la Ville de Québec en l'occurrence? Ça serait quoi tes conseils pour les jeunes qui nous regardent présentement avec Jeunes Explo? C'est un peu paradoxal, mais j'irais même plus d'aller vers les plus petites municipalités en premier pour découvrir, parce qu'à la Ville de Québec, c'est très spécialisé. Mettons, il y a les analystes, il y a les inspecteurs. Dans les petites villes, c'est toute la même personne qui fait. Fait que, comme moi, tu sais, j'ai développé plein de compétences dans des plus petites villes, ce qui m'a apporté aujourd'hui à être bonne dans ce que je fais, mais d'aimer aussi ce que je fais. Au départ, quand je suis arrivée à la Ville de Québec, je ne savais même pas que l'analyse et l'inspection pouvaient être séparées. Mais oui, ça se fait, c'est complètement séparé, puis on travaille conjointement, on est souvent en contact, mais c'est deux équipes complètement différentes. Fait que je dirais, avant de rentrer dans une grande boîte ou de peut-être même de rentrer dans une grande boîte, mais de faire plusieurs, de dire, ben je vais aller en inspection pendant un an, après ça, j'irai peut-être plus vers l'analyse, après ça. Fait que j'irai plus graduellement pour toucher à tout, là, pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils préfèrent, puis qu'est-ce À plus petite échelle avant de migrer vers Québec, finalement, des fois, c'est un plus grand bassin, effectivement, c'est plus spécialisé aussi, comme tu as mentionné. Cynthia, toi, tes conseils pour les jeunes qui nous écoutent, qui veulent peut-être faire ton emploi ou travailler à la ville aussi, ce serait lesquels?
C'est quand même cibler les études là, qu'on souhaite faire, puis bien avoir un bon bagage, là, ça peut être c'est super pertinent. Puis après, ben, tu sais, je pense qu'on peut toucher justement un peu à tout, comme on l'a vu dans le parcours académique de Karine et de moi-même également, que si c'est pas nécessaire justement de savoir exactement maintenant ce qu'on peut faire, on peut avoir une idée générale de, par exemple, justement, je veux étudier en environnement, puis après, il y a énormément là, de portes qui vont s'ouvrir, puis énormément de types de métiers là, différents. Donc, je pense que ça serait juste d'explorer un peu tout ce qui s'offre à nous là, sans nécessairement avoir tout de suite un but extrêmement précis. Puis après, ben, les portes vont s'ouvrir. Là, puis généralement, on se ramasse au bon endroit. Puis tant qu'on aime notre métier, ben, c'est ça qui est important. C'est tellement très, très d'accord. Bien dit. Ouais. Très bien dit. Toi, Denis, si tu avais à donner un conseil aux jeunes qui sont peut-être intéressés par la cybersécurité, on a parlé de capacité d'adaptation, ce serait quoi ton conseil pour les jeunes? Bien, c'est un, si vous êtes intéressé par l'informatique, donc intéressé à tout ce qui est informatique, technologie de l'information, parce qu'il faut comprendre que la sécurité, cybersécurité, c'est une spécialité. Donc, la base, c'est avant tout de connaître, avoir une bonne connaissance de l'informatique. C'est important de s'intéresser, de diversifier ses connaissances là-dedans. Ensuite, rattachez-vous à des réseaux. Hein? On est dans un modèle de réseaux sociaux, des réseaux de spécialistes dans différents domaines des TI, des technologies de l'information. Vous allez voir un peu, vous allez vous faire une niche dans ce que vous voulez aller. Puis finalement, aussitôt que vous avez l'opportunité de vous attacher à un stage en milieu de travail, de choses du genre, bien, allez-y, n'hésitez pas. Si ce n'est des stages où vous n'êtes pas nécessairement lié à l'informatique, mais il y a un milieu informatique, bien, vous allez voir les gens travailler, puis peut-être que là, vous allez voir effectivement si ce métier-là vous intéresse ou non. C'est un très, très bon conseil, encore une fois, tout comme Cynthia et Karine. C'est déjà à la fin, ça a passé super, super vite. Mention aussi à Cynthia qui a mis un exemple de projet bon, concernant la Ville de Québec, de verdissement en l'occurrence. Là, les images sont dans la boîte de conversation aussi, si vous voulez aller regarder. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est en rediffusion sur YouTube. C'est pas perdu, c'est toujours là. Je veux vous remercier, les mentors, d'avoir été ici. D'ailleurs, il y a Julie Rousseau qui était là, qui a dit qu'elle trouvait ça vraiment intéressant. C'est sa première expérience, mais pas la dernière. Puis je suis assez d'accord avec elle. C'était très, très, très intéressant. Alors, Karine Perron, technicienne de bâtiment et en salubrité, merci beaucoup d'avoir été là. Karine, c'était très intéressant. Denis Thériault, responsable en sécurité numérique à la Ville de Québec, évidemment, un gros, gros merci d'avoir été là. Et Cynthia Legault, conseillère en environnement aussi à la municipalité de la Ville de Québec. Merci, Cynthia. Merci à vous trois. À tout le monde, les jeunes, merci d'avoir été là. Il y a plein d'informations disponibles sur les réseaux sociaux, le site de Jeunes Explo. On offre évidemment des stages d'un jour, on a des informations. Et le site de la Ville de Québec aussi, les réseaux sociaux de la Ville aussi sont là si vous voulez des informations. Donc, un gros merci d'avoir été là. Puis merci à vous, les mentors. C'était très intéressant.